Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur l'Orée Jaune. Cette forte chaleur, vous la subissez comme nous et l'eau ne suffit plus pour se rafraîchir. Donc on vous propose aujourd'hui une petite recette à base de fruits, de melons et de papaye en l'occurrence, que nous allons sublimer avec un sirop et du lait de coco, très populaire en Asie du Sud-Est. Donc avant que cette chaleur nous fasse trop transpirer, voyons les ingrédients. Il nous faudra du melon, en l'occurrence on va utiliser deux variétés, du charentais et du galia. Et on mettra aussi un fruit exotique, de la papaye. Il nous faudra aussi du lait de coco, du sucre et la petite touche Asie du Sud-Est, de l'extrait de pandan. A défaut pour ce dernier, on pourra tout à fait s'en passer. Donc, pour les quantités des ingrédients, je vous laisse vous reporter à la description. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. Commençons par le lait de coco que nous allons faire frémir. Une petite minute avec une demi-cuillère à café d'extrait de pandan. Puis on réserve. Pour le sirop, nous allons faire caraméliser le sucre à sec à feu doux. Cela évitera de le brûler. Une fois le caramel obtenu, on coupe le feu. Ajoutez délicatement l'eau. Remettre sur feu moyen et laisser fondre le caramel qui s'est solidifié. Lorsque cela s'est bien liquéfié, ajoutez une demi-cuillère à café de sel. Et on réserve. Pour les fruits, retirez les pépins de la papaye, du melon charentais et du melon galia. Détachez la chair puis les couper en petits cubes. Pour dresser un bol ou un grand verre, déposez quelques cubes de glaçon pour plus de fraîcheur. Ensuite, les cubes de fruits. Quatre à cinq cuillères à soupe de sirop. Et 10 centilitres de lait de coco. Il n'y aura plus qu'à déguster. Déjà, c'est super frais au niveau du verre, donc un petit rafraîchissement avant la dégustation. C'est du n'importe quoi, mais c'est pas grave. On n'hésite pas de bien mélanger tous les éléments. Comme ça, les glaçons vont bien rafraîchir le lait de coco, le sirop, ainsi que les fruits. On avait raison, c'est super rafraîchissant. Donc, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, on vous dit à bientôt et bon appétit.